C'est quoi votre problème au juste? C'est quoi votre problème avec les gens qui ne sont pas comme vous? Vous êtes jaloux ou vous avez la haine qu'ils soient juste différents? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le poids idéal, parce qu'ils n'ont peut-être pas un corps ou un visage parfait. Et comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo c'est pour mes 10 000 abonnés. Donc pour vous peut-être que 10 000 c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est juste énorme, donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. L'un de mes plus gros souhaits également, évidemment, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je suis arrivée ici parce que j'avais besoin d'aide, d'écoute, de compassion. Vous m'avez aidée, vous avez été là, vous m'avez relevée. J'ai grandi, mûri et compris beaucoup de choses en 4 ans. 4 ans de bonheur, d'émotions et de chamboulements grâce à vous. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours dit à mes parents que je voulais faire quelque chose de différent en grandissant. Avoir un loisir pas similaire aux autres, que je voulais servir à quelque chose. La danse, le piano, les théâtres ne m'intéressaient pas. Je ne voulais pas naître et mourir sans avoir apporté du bonheur dans la vie de quelqu'un. J'ai dû faire face à quelque chose de pas facile à accepter et que je ne souhaite à personne. Le harcèlement. Ça a été très dur pour moi de m'en relever et de reprendre confiance en moi après ça. Et c'est en vous écoutant vous, en écoutant vos problèmes, vos faiblesses, vos complexes, que je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule, et que l'on n'est jamais seul. Un combat n'est pas seulement personnel, mais collectif. Et puis il y a eu YouTube, ce monde complètement fou et détraqué, où tu fais tout ce que tu as envie de faire, et où tu es la personne que tu veux réellement être. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me relever, avancer, me regarder d'une façon nouvelle, me rendre fière de moi, et avoir trouvé quelque chose qui me plaisait. En 4 ans, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de gugus m'ont rejoint, m'ont accompagné et m'ont encouragé. Mes abonnés ont augmenté et je n'ai jamais délaissé mon activité principale qui était d'aider. Le 24 décembre, j'ai dépassé la barre des 100 000 abonnés. Encore plus qu'un stade, qu'une salle de concert, qu'une habitant dans certaines villes. Je dois vous avouer que j'ai pas eu la réaction aussi sensationnelle que tous les youtubeurs ont eu. Je n'ai pas crié, j'ai juste regardé chacune de mes vidéos, une après l'autre, en regardant ce que j'avais réussi à construire. Et puis, je me suis rendu compte de la chance que j'avais de vous avoir dans ma vie. C'est un loisir, mais c'est aussi un médicament, une sorte de réconfort. 100 000 personnes, 100 000 gugus, 100 000 mots d'amour et de soutien chaque jour. Je ne sais même pas réellement ce que ce texte va vous apporter, mais la seule chose que je sais, c'est que je ressentais le besoin de vous le partager, de vous parler de vive voix pour vous expliquer ce que je ressentais face à cette situation. Que tu sois la première, la 40e, la 1000e ou la 100 000e personne à cliquer sur le bouton s'abonner, tu as la même importance à mes yeux que toutes les autres. Je suis quelqu'un de fragile malgré ce qu'on pourrait penser. Je prends beaucoup de choses à cœur. Je réussis à me foutre de pas mal de choses, mais beaucoup s'empilent dans ma tête et beaucoup de questions me tortillent par jour. Et me lever le matin avec des messages comme le tien, me coucher le soir et ne pas me sentir bien et à seulement aller à ouvrir mes notifications pour y voir des merveilleux messages que tu y postes. Réussis tout simplement à raviver mes nuits et mes journées. Je ne te serai jamais assez reconnaissante de tout ce que tu as pu m'apporter en tant qu'abonné. Et tu ne sais même pas, mais tu m'aides énormément, autant que je t'aide. Et je t'aiderai toujours à ma manière et au maximum. Je te lâcherai jamais et je viendrai toujours t'embêter avec mes petites conneries sur Snap, mes tweets inutiles et mes photos inintéressantes sur Instagram. Ce monde-là, c'est un monde que peu de personnes peuvent comprendre. Mais ce monde-là, c'est le mien, et je me sens heureuse à l'intérieur. Je ne te remercierai jamais assez d'avoir pu me donner cette chance. Merci. Merci 100 000 fois, et longue vie à tous les gugus.